Bonjour à tous, et oui, c'est le petit conservatoire de Violaine. Je suis content. Et oui, vous l'avez reconnu, il est là, il bave déjà sur son micro. Je suis à pleine tournée de promotion. Oui. Et toutes les émissions de télévision. Mais bien sûr. Et les émissions de radio. Oui, c'est le cas. Oui, avec les filles, avec les garçons, avec Dave, avec tout le monde. Exactement. Alors, vous l'avez reconnu évidemment à sa voix, je ne l'ai pas encore présenté, il s'appelle Jean-Paul André. Je connais Daniela Lombroso. Tu la connais ? Je l'ai vue en vrai. Oui. Jolie. Oui, elle est jolie. Bah, fin, elle m'a l'attrapé, jour. Non, arrête tes conneries. Bon, je rappelle que Jean-Paul est né tout près de la centrale nucléaire de Golfech. Parce qu'elle aime la chanson française et la musique, elle a dit Daniela Lombroso. Je lui dis, tiens, prends le pipeau. Ouais. Tu arrêtes, tu te calmes. C'est n'importe quoi. Il est esculé, excusez-le, il fantasme sur Daniela Lombroso. Arrête de fantasmer sur Daniela. Je veux l'attraper. Non, elle ne te veut plus dans son studio. Tu lui as bavé sur les mousses et les mousses sont complètement bouffées. Je veux lui faire la fête de la musique. Chut. Alors, on se calme maintenant. On se met au diapason, de la chanson, évidemment. Oui. Car tu prépares un nouvel album. Oui. Et donc, évidemment, dans les chansons, tu t'inspires de tout. Et tu t'inspires aussi de ta vie. De ma vie. De ta vie. La vie. Je raconte de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Et t'en arrives des choses dans la vie. Oui. Hein? Et quand tu t'es pris le poteau. Quand tu t'es pris le poteau. Et quand je ne peux plus raconter les trucs qui ne me sont pas arrivés, je raconte tout ce qui ne m'est pas arrivé. Ou tout ce qui va t'arriver que tu ne sais pas encore. Qu'on ne sait pas. C'est magnifique. On se régale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle ? Du futur, du passé, du présent ? Du passé ? Du passé ? C'est quelque chose qui m'est arrivé. D'accord, du passé composé puisque tu t'accompagnes à la guitare. Et oui, bien sûr. Et voilà. Allez, parti. Non, ce n'était pas le râteau, ni la truelle, ni la bêche que j'avais rangé là, Je me rappelle plus de son nom. Ça a mangé un bout carré, et je l'ai prise de plein fouet, Ça explique des choses. J'ai mis le pied sur le bout carré et je l'ai pris de plein fouet. J'en tremble encore. Ça m'a niqué les dents de devant. Oui, c'est vrai, on le voit. Ça m'a fendu le menton. Mais de ce putain de, d'outil, je me rappelle plus le nom. Ça sert à ramasser des pierres, à ranger des brouettes et aussi à creuser la terre, Moi je me creuse la terre. Je sais aussi que ça sert aux filles, avec la langue dans la bouche. Ça y est putain, je m'en rappelle, j'ai pris une pelle. Ah mais oui voilà, c'est tout. C'est vrai que je cherchais aussi depuis un moment. On peut l'applaudir. Et tout ça... Tout ça sur le prochain album de Jean-Paul André. Je te la refais que le dernier. Oui, que le dernier, alors. Allez. Ça sert à ramasser des pierres, à ranger des brouettes et aussi à creuser la terre, Je sais aussi que ça sert aux filles, avec la langue dans la bouche. Ça y est, putain, je m'en rappelle, j'ai pris une pelle. Il l'avait pris, la pelle, hein. C'est vrai. La pelle, évidemment, qui n'est pas du 18 juin. Tout ça, on le retrouve sur ton prochain album. Hein. Et la fille non plus n'était pas du 18 juin. Ah non. Ou alors d'il y a longtemps. Bon, voilà. Alors, je sais que maintenant, ça va te faire de la route, parce que tout ça, tu le fais à mobilette, évidemment. Oui. Et tu rentres sur Golfech. Oui, donc, c'est un avis que je lance à tous ceux qui sont sur la route, entre Toulouse et Golfech. Planquez-vous. Jean-Paul arrive. Voilà, c'était le petit conservatoire de Violaine. Au revoir à tous. Je suis content.